Hi folks, salut les copains. Et ben aujourd'hui on va faire le premier vol du Django Bubble Surfer de chez Zanzibar, un planeur lancé main, donc sans moteur, tout en carbone, avec des ailes pleines de mousse. Il fait 2,54 m pour 610 g prêt à voler, avec une lipo 2S 2000 mAh. Et du coup j'ai mis un petit peu de plomb derrière pour avoir le bon CG de 80 mm. Et du coup, c'est une batterie qui revient à 114 grammes. So guys, today the maiden flight of the Zanzibar Django Bubble Surfer. This is a hand launch glider of 2.54 meters wingspan for a weight of 610 grams, ready to fly. With this lipo, this is a 2S 2000. With a bit of a lead in the back, well, it will be in the front of the glider, to reach the CG of 80 millimeters. So we will put the lipo. Yeah, as you can see, it's very, very short. C'est vraiment serré, comme vous pouvez le voir. J'ai un récepteur Jetty 7 voies avec un gyro intégré et un micro vario de chez Opal Paramodel. It's alive. That's the thermal mode with an offset, the flaps offset of down 0.5 millimeters. And the speed mode is 2 millimeters of up offset. Et j'ai aussi les ailerons qui sont relevés pour le mode vitesse. I've got the ailerons a bit up also. Voilà, le mode normal, donc c'est tout en lisse. Tout en lisse et donc avec les débattements qu'il y a dans la description. The rates are in the description, guys. Check the description to know all the rates and all my settings. A big thanks to Pierre Meunier. Un grand merci à Pierre Meunier pour son expertise sur les réglages. So yeah, for the thermal mode, flight mode, I've got a mixing ailerons to flaps. And for the speed mode, I've got the same. This is the same than the thermal mode, the mixing ailerons to flaps. That's perfect. Donc, j'ai un tout petit peu de volet. I've got a bit of flaps, 4 millimeters maximum for the thermal. And I've got the brakes, so the butterfly, but that's not butterfly because my ailerons are not up. It's only full flaps. Donc c'est les freins, c'est vraiment que les volets qui sont quasiment à 90 degrés. Et avec de la compensation appliquée. Qu'on verra, que vous pourrez voir dans la description, parce que je vais régler tout ça. Et voilà, on a fait le tour des réglages. J'ai du snap flap aussi. I got some snap flaps when I climb, when I pull the elevator stick. I've got 2 millimeters down flaps. This is a mixing elevator to flaps. Donc ouais, j'ai du snap flap. C'est un quand on cabre. Ça ajoute 2 mm de volet vers le bas. Ça aide à appuyer dans les virages. Ça augmente un peu la portance dans les courbes. Voilà, parfait. So everything is good. The CG is at 80 mm as I said from the book, but Henning from Zanzibar told me that after, when you get the glider perfectly, when you manage it, you can move the CG to 85 millimeters to 90. So we will see that. The lipo is totally stuck in front of the fuselage. It can't move, and I add a bit of foam. Donc ouais, la lipo, elle est complètement coincée devant. Elle peut pas bouger.
Puis j'ai ajouté un bout de mousse derrière. Et voilà, on sort les antennes évidemment. You put the antennas outside because it's full carbon. And here you go. And you've got some pegs. Je sais pas si tu peux voir, Robert, on a des petits pegs là derrière. You can see. You just have to grab the glider like that. And boom, you throw it. Voilà. Et ben c'est parti. On va aller le lancer dans le champ un petit peu plus bas. À tout de suite. Let's throw this little baby. Just a little breeze. Il y a un tout petit peu de vent. C'est top. Voilà, on le tient comme ça. Je suis en phase. Oh là là. Je suis en phase normale. Allez, c'est parti. Wow, si ça vole bien. That's just insane. C'est incroyable si ça vole bien. Par contre, je crois que j'ai pas assez de... J'ai vraiment pas assez de débattement à la profondeur. So guys, I need to add some elevator throws. Ça va, je lui ai pas fait mal, j'ai posé dans l'herbe. Mais ouais, j'étais pleine profondeur, voyons voir comment est le trim. Le trim est centré. I will just add a bit of aileron elevator throws. Allez, on va relancer, je reste en normal. The wind is good. Ouais, le vent est bien. Allez, c'est reparti. Tac. Allez, on est bon. Ah, voilà. Yeah, that's way better. C'est bien, bien mieux. Et là, il y en a une cut. Ça spirale dans rien du tout, c'est dingue. C'est incroyable. Incroyable. C'est fou. C'est dingue. That's crazy, guys. There is nothing. And the glider is climbing. C'est fou. C'est dingo complet. So I'm now in thermal mode. So we are on October, guys. So the thermals are really, really, really weak. Les thermiques sont vraiment légers en octobre. On est le 22 octobre. Awesome. With one notch of flaps, so it's 2 millimeters of flaps. So with the offset, it's 2.5 millimeters. Voici, ça vole bien. C'est complètement dingue. C'est fou, les amis, c'est fou.
Je n'ai jamais vu ça. Ça vole encore mieux qu'un F3K. It's even better than a DLG F3K glider. C'est fou, c'est fou. I will try full flaps. Wow. So I'm at 4 millimeters of flaps down. I'm almost in the sun. That's crazy. So I will try the speed mode. Speed mode. Maybe a bit too much of a of offset down elevator. Normal mode. Everything is flush. Je suis en mode normal là. Tout est à plat. Et ça monte. Allez, mode thermique. Si ça monte. Bon ben voilà, c'est juste incroyable. C'est fou. Zanzibar, that's insane what you have built. That's crazy. That's really, really crazy, guys. C'est vraiment fou ce que Zanzibar a fabriqué là. Je ne suis pas sponsorisé du tout, du tout. Hein. J'ai acheté tout plein pot. Je tiens à le préciser. I'm not sponsored at all, guys. I bought it on my own, full price. But that's just the best glider I've ever seen. Really. Really, really. I will change the offset for the speed mode. So yeah, now, yeah, that's better. Yeah, perfect. I've got only 2% of down elevator. We will try the brakes. Let's see the brakes, full brakes. Okay, I need more compensation. Donc là, j'ai remis un petit peu plus de compensation à piquer. Ouais, il m'en faut encore un petit peu plus, je pense. Look at that. Look at that. C'est fou, c'est incroyable, c'est dingue, c'est dingue, 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 dingue. C'est, j'ai carrément pas les mots, je vous jure, je n'exagère rien, c'est du délire, c'est vraiment fou. T'as vu Robert? On a volé avec plein de planeurs avant, pour voir si j'allais lancer, si ça allait monter, j'ai rien pris. Et là, il montait tout seul. C'est fou, wow, j'ai tellement d'émotions, c'est vraiment dingue. That's really crazy, guys. I've flown here just a few minutes ago with foam gliders to see if there was some thermals and if it will be good for the Django bubble surfer. And I didn't climb anything, nothing, nothing, nothing. And you see how it climbs? That's just crazy. Really, really crazy. C'est vraiment un truc de fou. Oh, je tremble carrément, moi, tellement ça me met de l'émotion. So guys, I hope you enjoyed it. As you can see on my channel, you can see jets, you can see trainer, you can see warbirds, you can see gliders, foam gliders, carbon gliders. So you can see almost everything except shoppers and quadcopters. But I won't fly these. So yeah, thank you so much Zanzibar once again. Merci encore d'avoir fabriqué cette beauté. Incroyable, c'est vraiment fou de chez fou. Et puis les gars, vous savez quoi faire comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner évidemment. Ne partez pas sans vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt. Guys, thank you so much for watching as usual. Don't forget to subscribe, please. And to put a thumbs up if you like the video. And see you very, very soon. Bye bye.